Chers amis bondiens, bonjour. Voici une nouvelle vidéo sur les news de Bond 25. Let's go! Hier, on nous annonçait le nouveau titre de Bond 25, No Time to Die. On a tous été surpris par ce titre. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je reste un peu perplexe. Et j'espère que ce nouveau film sera bien. Depuis quelques mois, on nous parle des villes où Bond ira et des acteurs et actrices qui joueront dans ce film. On pourra y trouver Daniel Craig qui reprend son rôle de James Bond, Rami Malek dans le rôle du nouveau méchant, Naomi Harris dans le rôle de Miss Moneypenny, Léa Seydoux qui reprend son rôle de Madeleine Swann, Lashana Lynch, nouvelle actrice qui arrive dans la saga, Ralph Fiennes qui reprend son rôle de M, et Ben Whishaw qui reprend le mythique rôle de Q. Comme je disais, Bond va parcourir le monde en Norvège, en Italie pour le moment. C'est tout ce qu'on sait. Comme d'habitude, Bond conduit de magnifiques voitures qui seront une Aston Martin DB5, la mythique Aston Martin, en espérant voir les gadgets avec, et l'Aston Martin V8, la même qu'on voit dans Tuer n'est pas joué. Comme je vous disais en début de vidéo, hier on a appris le nouveau titre du film, qui se prénomme No Time to Die. J'espère qu'il vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit pouce bleu, de partager, de vous abonner à ma page Facebook. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles news de Bond 25. James Bond will return!